Et bonjour, bonjour à tous tout le monde, c'est Lucas Certé, on se retrouve pour ce 9ème épisode de Dragon Ball Fighter Z. Et on s'était arrêté ici au chapitre 8, carte 12. Alors qu'est-ce que... Bah alors ici c'est facile, si je tue ce boss là... Bon on aura déjà fini le... On aura déjà fini le truc, la carte quoi. Mais le truc c'est qu'ils sont tous, il y en a 3 et ils sont tous niveau 18. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un ou deux combats avant. Donc on va venir par là. Alors, est-ce qu'on va laisser ces personnages-là pour commencer cet épisode? Ou est-ce qu'on va changer un personnage ou deux? Bien sûr, on va enlever Tenshin Han, on va faire progresser un peu ceux qui doivent progresser. Comme Sangohan, par exemple. Parfait. Donc on va un peu utiliser juste les gros personnages, enfin ceux qui sont... Déjà de haut niveau parce que sinon on va perdre trop de temps et on sera toujours en retard par rapport aux ennemis. Même si après tout on a vu que ça ne change rien parce que les ennemis c'est tous des merdes. Mais bon voilà. Parfait, on va... Putain, les tutos encore, fumé, ils sont chiants. J'arrive pas à faire leur putain de tuto, tu sais quoi? Nique sa mère. Ok, lui il est mort. Ciao bambino! Freezer, ok, Freezer, viens. On va voir ce qui t'attend. Ok, tiens. Eh, j'arrive pas à faire leur tuto, hein. La recharge aérienne là, de chiasse. Ok, lui il est mort, il reste juste Krill, hein. Qui va être du gâteau. Tiens, mon gars, tiens. Ok. Ok, ma gueule. Oh là là. La finition en beauté, putain de merde. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Régénération. Ok, on récupère de l'XP. Ok, parfait. Facile, facile. Toujours facile, les combats sont très simples. Il suffit juste de connaître un peu le jeu. Et même si tu connais pas le jeu... Tu fais un peu n'importe quoi sur la télécommande. Sur la manette et ça passe aussi. Hop, on va venir là, on va pas perdre de temps. Il y a des ennemis qui sont apparus. Oh là là. Le boom maléfique est de retour. Le boom maléfique est de retour, les gars. 24, putain de merde. On va se le taper. On va se le taper parce que... On est des mecs comme ça. Par contre, on va prendre Vegeta, Sangohan, on va mettre Trunks. On va prendre vraiment les plus forts pour faire ce combat-là parce que voilà, on sait jamais. Après, on ira directement faire le boss, on va pas perdre plus de temps. Parce que ça sert un peu à rien hein, quand même. Donc, alors, petite cinématique apparemment. Et ouais. C'est vraiment génial, on va pouvoir se battre ensemble. Mais attends, comment je devrais les appeler exactement? Donc le père de Son Goten est juste Son Goku pour Trunks. Et le père de Trunks est juste Vegeta pour Son Goten. Donc, Et vous pensez que je devrais vous appeler comment tous les deux? Hein? Tu me poses cette question à moi? Tu es un adulte, donc tu devrais nous aider à démêler tout ça. C'est une question épineuse. Alors que je suis le père de Son Goten, mais pas celui de Trunks. Donc, et Vegeta, qu'est-ce que tu en dis? Ça ne m'intéresse pas, bande d'enfoirés. Arrêtez de me faire perdre mon temps avec ces conneries. Désolé, ah, tu n'as pas pu t'empêcher. Bon, Kakarot, ce n'est pas le moment de se détendre, imbécile.
Désolé, Vegeta. Oh là là. Idiot, concentre-toi simplement sur l'ennemi en face de toi. Ok, donc c'est vrai finalement, j'avais jamais pensé à ça. Hein. Gotenks, comment il doit appeler Vegeta et comment il doit appeler Son Goku en fait? Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est une question épineuse, comme dirait Son Goku. Ok, parfait. On va essayer de niquer ce bout maléfique là, niveau 24. Ce qui me semble quand même assez chaud. On va essayer de ne pas perdre de temps et d'enculer son fion directement. Aïe, aïe, aïe. Prends ça dans ta mère. Ah, putain. Aïe, il rigole zéro, hein. Aïe, il rigole zéro, les gars. Nous aussi, on va rigoler zéro avec sa gueule, ce chien. Aïe, aïe, aïe. Gotenks qui arrive, qui se fait déjà défoncer. Tu vas mourir, mon gars. Tu vas crever, c'est parfait. On a fait un bon petit travail d'équipe, chacun à son tour. Mais elle était chaud, hein. On voit que les ennemis se réveillent de plus en plus quand le niveau est élevé. Plus le niveau est élevé, plus l'ennemi va être vif, va être rapide, va être, tu vois, technique, etc. Il va faire mal. Mais bon, ça reste quand même faisable vu qu'on était 3 contre 1. Après, peut-être à 1 contre 1, je suis pas sûr que je l'aurais défoncé. J'aurais peut-être gagné, mais vraiment tout juste, ou bien j'aurais sûrement perdu. Alors ici, ce qu'on va faire, ils sont quel niveau là? 20 quand même. Putain. On va quand même un peu modifier l'équipe parce qu'il y a par exemple Son Goku qui est mort, mais qui est que niveau 13. On va mettre Son Gohan. Et on va mettre Piccolo. Ça me semble assez bien. Même s'ils sont niveau 11, je pense qu'ils sont capables de tenir le choc. Hop, on est parti, on va se lancer. Je dois admettre que je suis plutôt surpris. Je n'aurais jamais cru que tu accepterais de faire équipe avec quiconque. Pour ta gouverne, si j'étais assez à puissance maximale, je n'aurais pas besoin de toi ici, alors ne me fais pas regretter. Je ne fais que tirer le meilleur parti d'une situation pourrie. Pourtant, j'ai l'impression que l'ancien Vegeta aurait combattu tout seul, quelle que soit la situation. Je commence à penser que tu t'es ramolli, Vegeta. Parce que tu voudras. Mais sache une chose, si tu commences à me ralentir, je ne bougerai pas le petit doigt pour toi. Crois-moi, je pense exactement la même chose. Dans tous les cas, évite de te mettre en travers de mon chemin. Allons-y, Vegeta. Je n'ai pas le choix que tu me dises ce que je dois faire. Et je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. Oh là là, le bug. Parfait, c'est le moment de prouver qu'on est les meilleurs. Par A et plus B. Oh là là. Ce qui craint, c'est qu'il n'y a pas moyen de se téléporter, tu vois. De se TP derrière l'ennemi pendant qu'il nous tape. Et ça, c'est dommage, parce que ça serait quand même assez utile. Tu vois, comme dans Naruto. Après, j'avoue que c'est un peu craqué, tu vois, mais... Putain, il est chaud, hein, le Tenchinhan, là. Oh, putain, j'ai changé de personnage, mais il m'a direct niqué. Pouah, tiens dans ta gueule, fils de chien. Comment je t'ai défoncé. J'ai fait le truc combo là quand t'appelles ton pote et tout. Ok, un de moi. Putain, ils commencent à être chauds là, les ennemis, les gars. On va pas se mentir, ça commence à devenir intéressant. Ok, Nappa. On va te défoncer un peu. On va utiliser un peu Son Gohan parce que je le kiffe vraiment, ce mec. Ok, prends ça dans ta gueule. Ah, ils font des switches comme ça aussi maintenant. Avant, il me semble qu'ils switchaient pas. Hein. Mais je... Quoi? D'où il y a des Rikum qui apparaissent avec Guldo là? Tiens.
prends ça dans ta gueule. Enfoiré de chien. Putain, ils deviennent chauds. Piccolo va mourir. Ah putain de merde. Piccolo est mort, les gars. Oh putain, ils deviennent chauds. Allez, Vegeta. Fais quelque chose. Final Flash. Prends ça dans ta... Tiens. Il n'en reste plus qu'un. Allez, reste juste Nappa. Putain, ils sont chauds, les gars. Oh là là, ils deviennent de plus en plus chauds. Aïe, aïe, aïe. Vegeta va y passer. Vegeta va y passer, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On est à 1 contre 1. Nappa encore plein de vie, putain de merde. Allez, il va falloir essayer de placer des ultis, des caméas, des trucs. Ok, on s'est transformé. On est en potentiel éveillé. Tout est possible. Comme le fait de se faire défoncer aussi. C'est aussi possible. Tiens, putain. Les gars, mais c'était chaud là. On a perdu deux personnages. Et Sangohan a failli crever en plus. Oh putain de merde, c'était chaud, ma gueule. Ok, Piccolo niveau 13. Oh là là. Putain, ça devient chaud. Au début, je disais c'était simple et tout, c'est de la merde. L'IA est trop conne, nanani. Mais là, on ressent. Hein. On ressent que ça devient chaud. Hein. Un match à 3 contre 3, si l'ennemi il a 10 niveaux de plus que toi, c'est baisé. Ouah. Ok, Nappa est mort. Il s'est fait bouffer. Miam miam. Sur une échelle de 1 à 100, je lui donnerais 24. Genre le mec, il était pas bon. Ces minables de Ginyu ne sont pas vraiment très puissants non plus. Du moins, c'est ce qu'on dit. Tant pis, je ne peux pas trop faire la difficile. Et toi, pourquoi tu regardes loin? Je vais te donner un siège VIP. Oh donc, tu le savais depuis le début? Bien sûr, pourquoi tu crois que je te laisse me regarder mettre en pièce cette andouille? Considère ça comme un aperçu de ce qui t'attend. Tu n'es pas impatient? Oh, tu vas avoir beaucoup plus de mal que prévu si ton plan est de me grignoter. Mais à ce que je vois, tu sembles avoir déjà grignoté pas mal. Tu devrais probablement ralentir un peu sur ce plan. Tu ne voudrais pas te retrouver avec des maux d'estomac, si? Tu as l'air bien plus appétissant. Comme il s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Nappa. Je me demande en quoi je devrais te transformer. Oh putain, il y aura un combat Cell contre C21 là? Mais que? Nani! Hondo Soro! Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de te faire vite. Je vais m'assurer de faire vite! Comment est-elle devenue aussi forte aussi vite? Lors de notre dernier affrontement, je n'étais pas la moitié de ma puissance. J'aimerais bien essayer cette fois-ci si tu es d'accord. Bon, il est temps de se mettre à table. Et. Bon appétit! Celle qui va se faire enculer aussi. Comme une merde qu'il est. La meuf, elle pardonne personne. Elle a envie de bouffer tout le monde. Elle est insatiable. Hein. Je sais pas, ça se dit, mais on s'en bat les couilles. Ok, chapitre 8. Alors là, les gars, il va falloir venir là, c'est ça? Ok, là, ils sont niveau 19. Ça passe. Par contre, on a beaucoup de chemin hein, jusqu'à là. Ok, donc il faut qu'on fasse vraiment progresser là, cette partie-là en fait. Tu vois, Sangoku, Vegeta, Piccolo et truc. Faut vraiment qu'on les fasse progresser. Faut vraiment qu'on les fasse monter, sinon on va avoir du mal après. On aura trop de niveaux d'écart et ça va être chaud. Alors on va passer par là, puis là. Là et là, ok. Je pense que ça me semble bien. C'est parti. On va voir ce qui nous attend par là. Cell Krillin Ginyu, très bien.
Parfait. Ok, toi on va te niquer ta mère. Vite fait, bien fait. Ceux-là ils sont quoi niveau 16, ça peut passer tranquillement ça. Mon avis. Vegeta il est chaud hein. Oh, j'aime bien que ça résonne et tout leur voix. Je sais pas si vous avez remarqué. Allez Trunks, finis-les. Ok, Krillin, ça va être le prochain sur la... On a toujours pas ramassé un coup, hein, les gars. Comme ça, vous savez, vous êtes au courant. Oh, tiens ça, ma gueule. Tiens ça, ma gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'en penses-tu? Allez, on switch. Sangoku, ma gueule. Toi t'es mort. Il en reste plus qu'à. On rigole zéro les gars. Toujours pas un con s'est ramassé. Et on va continuer comme ça. Parce qu'on est des bons, tu vois, on est des pros. Ok, Ginyu nous a mis un coup cet enfoiré. Tu vas le regretter mon gars. Tu vas le regretter, je te le dis. Ok, prends ça dans. Oh putain, il s'est défendu. C'est protéger le chien de la casse hein. Putain, fait chier. Allez Vegeta, fini le taf. On va finir ça en beauté. Tranquillou. Voilà, parfait. C'est bon, on n'a pas perdu beaucoup de PV. Enfin, presque rien même. Donc ça c'est cool. Et là je pense que Vegeta va passer niveau 15. Ouais, ouais. Très bien. Vegeta pour l'instant qui est le mec le plus fort de notre team, on va dire entre guillemets, au niveau des niveaux. Donc au niveau des niveaux, il faut essayer de... Tu vois. Ok. Parfait. Donc on va faire quoi maintenant? On va déjà changer de personnage parce qu'on va pas tout le temps utiliser les mêmes non plus. Donc on va prendre un peu, voilà ça. On va... On va laisser Goku, il doit monter niveau 15 aussi. Alors, on va venir chez Freezer, putain niveau 21 quand même. Niveau 21 quand même, très bien. C'est pas grave, on peut se les faire, on a la capacité de se les faire, on a tout ce qu'il faut pour se les faire. Au switch. Enfin, désolé, j'étais perdu dans mes pensées là, les gars. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai dit. Ces trois derniers jours là, j'ai pas posté de vidéo parce que. Parce qu'en fait, j'étais. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mais j'étais. Je suis parti en fait trois jours en petit voyage. J'ai fait un petit voyage de trois jours avec l'école. Avec. Donc pour mes études supérieures en fait, parce que j'avais, on avait un travail à faire avec les codes, donc on est parti toute la classe avec les profs etc. Faire un petit voyage pour faire ce travail. Et donc j'ai pas pu mettre de vidéo en fait. J'avais internet et tout là-bas, j'avais mon PC. Mais j'avais pas de montage de prêt en avance. Et là-bas j'avais pas vraiment pas le temps de poster faire un montage quoi. Poster la vidéo ça limite j'aurais sûrement eu le temps. Mais de faire le montage et de poster la vidéo ça j'aurais pas eu le temps. Donc ce que j'aurais dû faire c'est faire les montages avant. Comme ça là-bas quoi, j'ai trois montages de près et j'en mets une par jour. Mais j'ai pas le temps en fait de faire les montages avant parce que j'avais du travail à faire etc. J'étais en examen donc c'était chaud. Donc voilà, pendant ces trois jours, donc le 29, le 30 et le 31 janvier, j'ai pas pu mettre de vidéo parce que voilà j'étais occupé. Donc voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. En plus je savais que j'allais avoir ce problème hein, pour mettre les vidéos. Mais bon, on s'y prend jamais assez tôt etc. Donc c'est un peu... C'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on se fait encore un combat? Moi, je vous propose qu'on avance vers ici. Au calme. J'ai même pas changé de personnage. Bon, pas grave. Et donc, voilà, j'ai pas su mettre de vidéo, mais bon, c'est pas très grave. J'essaierai de genre, pendant un jour, j'essaierai de vous en mettre deux, par exemple.
À un moment donné, j'essaierai de vous mettre deux vidéos en une journée, etc. Je sais pas quand, mais j'essaierai. Donc là, j'ai posté l'épisode 5 aujourd'hui. L'épisode 6 est déjà en train de monter, donc je le posterai peut-être ce soir. Ou bien peut-être demain, vers midi, comme ça. Et demain, j'essaierai d'en poster deux, on verra bien. On verra bien comment ça se déroule. Parce que c'est vrai que j'ai pris quand même beaucoup de retard. Heureusement, j'avais déjà des vidéos enregistrées à l'avance, tu vois. Mais voilà. Alors, ils n'ont même pas vu son quel niveau, là, ceux-là. On va essayer de charger un peu notre ki. C'est quand même important. Prends ça dans ta gueule, Trunks. Ok, Trunks, il est mort. Ça va, là, ça va. Ça passe tranquillement, les combats sont pas très difficiles. Juste vraiment les deux derniers combats là qu'on a fait. Le dernier combat qu'on a fait de la map précédente. Qui était vraiment compliqué, mais sinon, ça va. Alors, ce jeu, il m'a quand même l'air assez long. Hein. Il m'a quand même l'air assez long parce que, voilà, on est encore au premier arc. Je pense qu'on est, à quoi? On est peut-être à 30% du jeu. Avant de commencer l'épisode, j'ai regardé, on était à 28% du mode histoire. Je suis en train de tous les niquer avec Sangohan là, putain. On va te switcher un peu. Donc voilà, on est à 30%. Donc voilà, on est déjà au 9ème épisode, 30%. Donc il nous reste quand même pas mal hein, à tourner. J'aimerais bien le finir avec une ulti, tu vois, ce serait bien. Ce serait bien que je le finisse avec une grosse Kamehameha dans sa mère. Oh non! J'ai raté. Okay. Bon, il est mort, c'est pas grave. On les a quand même niqués au calme. Au KLM. Ok, hop. Niveau 15 pour Sangohan aussi, parfait. On récupère tous nos PV au calme. Donc c'est parfait. Donc on va voir maintenant, on va aller vers le boss je pense. On s'en fout, on est des mecs comme ça, on va pas perdre plus de temps. On va aller directement vers le boss. L'événement de liaison de Sangohan adulte est déclenché. Consulte-le dans le menu, dans les menus. Modifier équipe. Galerie des arcs. Qu'est-ce qui est... J'ai jamais compris en fait ce truc. Je n'ai jamais compris c'était quoi ça. Enfin bref. On va juste changer équipe. On va mettre un peu Piccolo là au calme. Et on va mettre Vegeta. Ouais, j'utilise que ces personnages là pour l'instant parce que c'est les plus forts. En plus, si je dois XP tout le monde en même temps, ça va pas être possible en fait. Parce qu'il y a trop de mecs. Limite, il y aurait 5-6 personnages. Ok, on peut les XP tous en même temps, etc. Mais là, il y a trop de personnages à XP. Et si on les XP tous, ça va prendre trop de temps et on sera trop à la ramasse par rapport aux ennemis, tu vois. Donc voilà. Parfait. On va essayer de faire ça bien. Parce que niveau 19, c'est pas de la merde non plus. Hein. On va essayer de les enchaîner vraiment comme il faut, tu vois. Allez, Vegeta, putain, Vegeta, je le kiffe. Wouah, Big Bang dans sa mère. Putain, il est mort. Tiens. Big Bang. Alors, je me demande s'il y a les fusions dans ce jeu, mais je pense pas qu'il y a. À part Gotenks, bien sûr. Genre Gogeta, Vegeto. Ils sont quand même chauds, hein. On charge. Sangohan contre Sangohan. Tiens, toi aussi crève. C'est bon, lui il est mort.
Donc il en reste plus qu'un, c'est Piccolo. Ok, il m'a baisé. Tiens, prends ça. Allez Piccolo, finis-le. Finis-moi ton clone, merde. Putain, il m'a baisé là. Prends ça dans ta gueule. Aïe, 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 ça va faire mal. Ok, parfait. Et voilà. Bien joué ça, Piccolo, putain. Allez, c'est parfait. Encore un combat gagné au calme. On récupère tous nos PV, enfin Piccolo presque. Et beaucoup d'XP, c'est parfait. Donc très bien. On va voir ce qui va se passer maintenant, parce qu'on a fini cette map là. Hein. Et on va aussi terminer l'épisode sur ça, hein, les gars. Tranquillement, hein, on est déjà à 30 minutes presque. Ok, cinématique. Ouah, Jis, Jesse Guldo, Ricom, Barta, Ginyu sont tous morts. Oh là là, le commando est tous mort. Putain, elle les transforme vraiment en petit gâteau, tu vois. Même pas elle les transforme en gros gros plat ou gros gros truc. Vraiment petit gâteau. Alors moi, je vous respecte pas, vous êtes des merdes. Miam, miam, miam. Pas mal, mais pas incroyable non plus. Pas incroyablement bon non plus. Je mettrais probablement un solide 40. 40 sur 100. Mais c'est toujours bien loin de sel par contre. Attends un peu. Tu as transformé sel en bonbon? Ça explique ta dramatique montée en puissance. L'insecte a eu ce qu'il méritait. L'organisme parfait. Je dirais plutôt l'andouille parfaite. Oh, essaie de ne pas être si dur avec lui. Il a fait de son mieux après tout. Malheureusement, malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il était faible. D'ailleurs, en parlant de ça, tu n'es pas si spécial que ça non plus. Tu sais même faire des blagues. Je vois que ta programmation va un peu plus loin que de... te gaver de nourriture. Excuse-moi, je te signale que je me gave pas. J'ai simplement la chance d'avoir un palais raffiné. Bien, maintenant que cela a été clarifié, je crois que j'aimerais bien te manger. Un instant, oublie ça. Non, tes blagues sont nulles. Tu devras simplement travailler sur tes vannes en enfer. Ah, quel enfoiré. Mais jamais il va la tuer, il est con ce mec. Voilà, tu t'es fait baiser mon gars. C'est tout? C'est vraiment décevant. Quoi? C'est l'heure de manger. Oh putain, même Freezer il s'est fait avoir. Putain mais c'est quoi C'est délicieux. Les clones ne peuvent pas tenir la comparaison. Rien de tel qu'un repas biologique. Tellement fait, frais et savoureux. C'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent. Je vais lui donner un 80. Je crois bien qu'il est temps de jeter un œil sur Sangoku et ses amis. Ça devient chaud les gars, elle est en train de niquer tout le monde. Waouh, il semblerait qu'ils ont réussi à réveiller Vegeta et je vois qu'ils rassemblent leurs amis pour essayer de me battre. Je comptais les engloutir pendant qu'ils ne pouvaient pas bouger, mais bon, c'est pas grave. Après tout, la nourriture bien meilleure quand elle est servie fraîche. Oh, je peux presque les savourer. Patience désormais, patience. J'ai déjà attendu tellement longtemps. Il faut qu'ils deviennent plus forts et ensuite, le festin pourra commencer. Leur puissance, leur convulsion et leur cri sera l'assaisonnement parfait pour le repas parfait. Ok, elle est déterminée à tous nous baiser la meuf, à tous nous manger. On verra bien si elle réussira. Ben, en tout cas, j'espère pas. Hein. On est un peu dans la merde. De toute façon, voilà, on verra ce qui va arriver maintenant. Mais bon, elle a niqué Freezer, elle a niqué Cell, elle a niqué tous les méchants, là, Ginyu, etc. Donc voilà, on verra ce qui va se passer la suite dans le prochain épisode. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. Voilà, on est presque à 500 abonnés. Enfin, presque. Encore beaucoup quand même. Mais voilà, on monte vers les 500 abonnés. Donc n'hésitez pas. Merci à tous, c'était Lucas CRT. Ciao les gens.